Les plastiques sont une matière en fait qui ne coûte pas grand-chose. Et c'est très important de, donc, pour arriver à faire vendre des objets d'une matière qui ne coûte rien à une bourgeoisie moyenne, eh bien, il faut pallier la pauvreté du matériau par une créativité extraordinaire. Et cette créativité est obtenue par les techniques de moulage qui permettent de faire des formes totalement en rupture avec ce qui se faisait précédemment. Une chaise en plastique n'a plus rien à voir avec une chaise Louis XV. Alors on va par exemple regarder cette petite coiffeuse à roulettes. Vous voyez, qui est un simple cylindre tout pur au départ. On tire, vous avez le siège. Vous avez ici ceci qui fait le miroir. Voilà, je suis en train. Vous voyez que c'est très bien conçu. Quand l'objet est fermé, il prend un minimum de place, tout se remet l'un dans l'autre. Et il y a un plaisir quand on l'utilise, du jeu à l'ouvrir et à découvrir un objet auquel on ne s'attend pas au départ. Le plastique, on en trouve partout. De notre brosse à dents à notre four à micro-ondes, notre téléphone, nos meubles, en passant par les emballages et les vêtements. À croire que la colonne vertébrale de notre société est en plastique. Nos systèmes d'information et de communication, et même la médecine moderne, n'existeraient pas sans le plastique. Comment ferions-nous aujourd'hui sans lui ? Le plastique, c'est du pétrole. En produisant de l'essence, on obtient un sous-produit duquel on tire du polyéthylène sous forme de granulés. Ces granulés sont liquéfiés ici, avant d'être soufflés par un procédé d'extrusion qui nous donne du film plastique. Celui-ci est ensuite travaillé, imprimé ou confectionné. Aujourd'hui, tous les produits qu'on achète sont soigneusement empaquetés. Leur contenu est décrit et le mode d'emploi imprimé sur l'emballage. Ça facilite la vie aux vendeurs car toutes les informations utiles figurent à même le produit. Comment l'entretenir, comment l'utiliser. Je crois que le domaine d'application du plastique est destiné à s'étendre encore davantage à mesure que notre société évolue. De plus en plus de gens vivent seuls, d'où un besoin de conditionnement toujours plus petit. Nous n'aurions pas une telle variété de produits alimentaires si le plastique ne nous offrait autant de possibilités de conditionnement. Le musée des sacs en plastique, au château d'Untergröningen, dans le sud de l'Allemagne. On y expose les œuvres de l'artiste suisse Kurt Baumann, qui est inspiré par les poignées de sacs en plastique. Ces poignées sont particulières pour moi. Ce sont les premières sur lesquelles je suis tombé, et ce sont elles que j'ai commencé à utiliser. J'en ai fait un tableau, cette métamorphose là-bas.
Au début, j'achetais des sachets de pommes jusqu'à n'en plus pouvoir, uniquement pour avoir mes poignets. Heureusement, ma fille raffole des pommes. Mais j'ai quand même fini par en manquer. J'ai dû mettre M. Schriegel dans le coup. Et il a eu la gentillesse de m'en envoyer. Au début, ça m'a surpris que quelqu'un utilise ce produit pour en faire des œuvres d'art. Et elles sont épatantes. J'ai été fasciné de voir tout ce qu'il est possible de faire avec des poignées. Ici, il s'agit d'une poignée en étrier, de forme ronde. Et puis, il y a cette forme-ci, la plus intéressante selon moi, celle qui requiert le baccalauréat, comme j'ai l'habitude de dire, la poignée de sécurité. Quand on remplit ce sac avec quelque chose de volumineux, il suffit de bien fermer la poignée comme ceci, et ainsi, quand on pose le sac, il ne s'ouvre pas. Mais je ne suis pas sûr que le client se préoccupe beaucoup de ce genre de détails. Il existe de nombreuses sortes de plastiques. On en utilise environ 70 qui contiennent chacune des additifs et des couleurs différentes. On associe au polypropylène, qui est la matière plastique la plus répandue, environ 900 additifs. Antioxydants, pigments, stabilisants qui absorbent les rayons UV, agents anti-choc. Selon les ingrédients utilisés, on obtient des plastiques différents. Le plastique est pratique, souple et multicolore. Néanmoins, certains de ses composants libèrent progressivement de dangereux produits chimiques. Le WWF a procédé à des analyses de sang à l'échelle européenne et il a détecté la présence d'additifs utilisés dans les matières plastiques. D'une part, des agents plastifiants servant à assouplir les produits en plastique pour qu'ils ne cassent pas. D'autre part, des adjuvants ignifugeants utilisés pour que les produits ne s'enflamment pas trop facilement. Les agents plastifiants sont incorporés aux produits, mais ne sont pas totalement fixés. Ce qui explique qu'à l'usage, le produit devient de plus en plus cassant. Ces agents se dissocient, se dégagent du produit et se retrouvent dans l'air, dans la poussière et dans l'environnement. Ces substances chimiques sont particulièrement dangereuses pour les enfants dont les organes sont en phase de croissance. Certains jouets en plastique contiennent beaucoup de phtalates. Il s'agit d'agents plastifiants qui rendent par exemple un anneau en plastique agréable à mordiller. Or, on a découvert que ces agents plastifiants sont cancérigènes. Quand un enfant met cet objet dans la bouche, les agents plastifiants sont libérés et absorbés par l'enfant, ce qui peut engendrer des maladies, et notamment le cancer. Une nouvelle loi européenne votée en 2007 interdit l'utilisation d'agents plastifiants dans les jouets pour enfants. Hélas, seulement dans les jouets pour enfants. On sait que beaucoup de ces agents agissent comme des hormones. C'est pourquoi on les appelle de fausses hormones.
Le phénomène de fausses hormones a été constaté pour la première fois chez les êtres vivants aquatiques, les poissons, les serpents, les amphibiens et les alligators. On avait mis en évidence un lien direct entre une forte concentration en fausses hormones et une malformation des organes de reproduction. Depuis, diverses études ont été menées sur l'homme. On a constaté un accroissement de certains troubles, notamment un recul de la fertilité, et notamment chez les Européens. Recul qui va de pair avec le développement des fausses hormones. Les produits en plastique provenant du tri sélectif sont traités dans des structures comme celle-ci. Soit pour un pays comme l'Allemagne, 60 kilos par habitant et par an. Environ 5 millions de tonnes en tout pour l'année 2006. Les bouteilles plastiques récupérées forment une matière première pour l'industrie du vêtement. L'extérieur est complètement synthétique. C'est soit en polyamide, soit en nylon, soit en polyester, selon les vêtements. Ça, par exemple, c'est entièrement en nylon. Non, pardon, en polyester. Ça, c'est du nylon. Ça, c'est du polyester. Et ça, du nylon. Ça, c'est du polyester. Ça dépend des articles. Nous avons plusieurs textiles, tous synthétiques. Le polyamide est une matière qui résiste bien au frottement, mieux que le polyester. Nous avons ici un blouson 100% polyamide. Il résiste au frottement et présente une excellente imperméabilité. Il y a une membrane laminée à l'intérieur qui, tout en étant imperméable, laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire laisse la peau respirer. Beaucoup de choses entrent en jeu. On a un produit remarquablement robuste. On peut tout faire avec le plastique et les matières synthétiques. On a d'autres produits très souples, agréables, brillants. Rien n'est impossible. On a placé cette veste à l'envers pour que vous voyez bien les différents matériaux qui entrent en jeu dans la fabrication de textiles imperméables. On retrouve ici les propriétés de la flanelle, la structure en trois couches de polytétrafluoroéthylène, autrement dit de téflon ou de Gore-Tex. On distingue très bien ces différents matériaux, la façon dont ils sont combinés. Voici un blouson de sport de montagne, hautement fonctionnel. Voici une chaussure de ski, issue d'une toute nouvelle technologie. On a utilisé ici de nouvelles matières plastiques comme le polypropylène et les fermetures sont en magnésium. L'intérieur aussi est innovant, à la fois plus léger et assurant plus de stabilité, une meilleure tenue de la cheville, ce qui est fondamental quand on skie. Sous cette carapace, il y a un chausson intérieur thermoformé. On peut donc le mettre au four pour le réchauffer. Les matériaux qui le composent se ramolliront. On pourra alors enfiler le chausson, le remettre dans la chaussure, la fermer, et le chausson intérieur adoptera alors la forme de notre pied. On ne peut pas rendre ce produit recyclable. Cela élèverait tellement les coûts de production qu'on ne pourrait plus le vendre. Bref, nous sommes conscients de notre responsabilité écologique, mais nous ne pouvons pas en tenir compte pour ce modèle. Le professeur Michael Braungart passe pour l'un des chimistes de l'environnement les plus renommés d'Europe. Il veut révolutionner notre société. Si cela ne tenait qu'à lui, tous les produits existants seraient réinventés.
Le verre traditionnel est coloré à l'aide de peintures céramiques qui contiennent des métaux lourds, ainsi que du chlore. Cela pose toujours un problème de dioxine au moment du recyclage. Aujourd'hui, on colore ces verres de telle façon que le matériau est fondu sans danger, c'est-à-dire sans provoquer d'émissions, car il est exempt de céramique. Quand on colore du plastique avec des peintures nocives, le recyclage perd sa raison d'être, car on introduit des métaux lourds, du chlore et des dioxines, ce qui contrebalance les bienfaits du recyclage. Les gens pensent que c'est protéger l'environnement que de détruire moins de choses. C'est comme si je disais que je protège mon enfant quand je ne lui donne que 3 fessées au lieu de 5. Je ne t'ai donné que 3 fessées, c'est bien, non? Mais moins détruire ne veut pas dire protéger. De même que faire moins de mal n'est pas faire le bien. Il faut redéfinir la notion de protection de l'environnement pour que cette protection soit vraiment profitable aux êtres vivants. Dès la phase de conception d'un produit, il faut désormais se préoccuper de savoir où et comment il finira. Aucun de ces composants ne doit être nocif et toutes ces parties doivent être facilement séparables. Les gens conduisent les objets du berceau à la tombe. Ils utilisent les matériaux, les emportent ensuite à la décharge et pensent ainsi protéger l'environnement, simplement parce qu'ils ne les abandonnent pas dans la nature. Nous, nous voulons reconduire les objets du berceau au berceau, c'est-à-dire faire en sorte que tout puisse être recyclé. Il n'y a que les humains qui produisent des déchets. Aucun autre être vivant n'en produit. Il faut donc tout réinventer de façon à ce que les matériaux soient profitables sur le plan biologique ou technique. Tout ce qui s'abîme doit être conçu pour être recyclé. Tout ce qui se gâte ou se transforme biologiquement, comme les denrées alimentaires ou les détergents, doit être fabriqué pour être profitable. Tout ce qui est usé doit réintégrer un cycle technique. C'est cela, conduire les matériaux du berceau au berceau. Les déchets plastiques, notamment les bouteilles, sont triés et rassemblés séparément. Une partie est recyclée en objets en plastique de moindre valeur, comme des bancs de jardin ou des poteaux. Les bouteilles à base de PET ou polyéthylène téréphtalate sont en partie recyclées en de nouvelles bouteilles en plastique. La plus grande partie de ces bouteilles est compactée et envoyée en Chine. Elles y sont nettoyées, broyées, fusionnées et réexportées dans le monde entier sous forme de pulls polaires. Ce qui était considéré au départ comme une qualité de la matière plastique, le fait qu'elle soit presque impérissable, se révèle être une malédiction. Un simple orage a suffi à disperser sur la côte de San Francisco cette mer de déchets plastiques. Contrairement aux produits naturels comme le cuir ou le bois, le plastique n'est pas dégradable. Il se désintègre dans l'eau, en particules toujours plus petites, mais ces petites particules ne se décomposent pas par processus bactériologique ou biologique comme le bois ou le cuir. Elles demeurent à jamais dans l'eau et se contentent de se désintégrer en particules de plus en plus petites. Arrive un moment où elles sont si petites que les animaux les avalent sans s'en rendre compte. Not
Les courants sont influencés par le mouvement des masses d'air au-dessus de l'océan. Dans le Pacifique Nord, on a affaire à ce qu'on appelle un maelstrom, un violent tourbillon marin qui entraîne tout ce qui vient des côtes de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Les scientifiques ont remarqué que les produits en plastique, en provenance de ces deux côtes, peuvent rester jusqu'à 16 ans dans un maelstrom, avant d'être expulsés sous forme de particules plastiques et d'atterrir sur les plages de Hawaï, par exemple. On suppose que pendant les mois d'été, ce maelstrom a atteint la taille de l'Europe centrale. Ce lit de matière plastique n'a rien à voir avec une de ces décharges que survolent les mouettes et où s'ébattent les rats. C'est un véritable tapis de déchets sous-marins qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Nous avons sondé les fonds marins à cet endroit et nous avons découvert une chose incroyable. Bien qu'on soit à des centaines de milles marins de la côte, on voit des tas de mouchetures jaunes, rouges, bleues et vertes. Bref, des milliers de petites particules de plastique. Nous avons prélevé des échantillons et comparé les quantités de plastique et de plancton animal vivant à cet endroit-là. Nous avons constaté qu'il y avait 6 fois plus de plastique que de vie animale. Et la colonne d'eau que nous avons observée est au milieu de l'océan à des centaines de milles des côtes. L'océan est tout simplement utilisé comme une décharge. On y vide impunément les bennes à ordures. Cela pose un gros problème dans le Pacifique Nord, mais aussi plus près de chez nous, en mer du Nord et en mer Baltique. Divers reportages et études scientifiques montrent qu'il y a jusqu'à 18 000 particules de plastique par kilomètre carré dans la mer du Nord. Un chiffre ahurissant. Nous sommes sur la côte hollandaise de la mer du Nord. Le professeur Jan van Franeker cherche à comprendre de quoi sont morts ces oiseaux retrouvés sur la plage. Presque tous ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. On retrouve des animaux qui sont morts empêtrés dans du plastique, mais relativement peu. Plus de 90% de ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. Cet oiseau a dû mourir de faim à petit feu. Il n'a plus ni graisse ni muscles. Il a dû agoniser. L'océanographe Jan van Franeker, qui travaille pour l'Institut hollandais IMARES, s'apprête à pratiquer une autopsie sur le fulmar boréal retrouvé sur la plage. J'observe son estomac. On dirait des pelets. Oui, il y a des pelets. Et des fragments de plastique. Ça ressemble à un pelet. Et ça, c'est un fragment de plastique dur. Encore un pelet ? Encore un pelet. Et encore un morceau de plastique industriel. Encore un. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un bout de plastique jaune. Et encore, peut-être que... Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Un
Un des gros problèmes posés par le plastique, c'est que les substances chimiques comme le DDT ou le PCB se fixent sur des particules de plastique. Lorsque ces particules sont absorbées par de petits êtres vivants, elles restent dans leur organisme. Ces petits êtres vivants sont ensuite mangés par leurs prédateurs, lesquels sont mangés par de plus grands prédateurs. Et ces substances chimiques se concentrent au fil de la chaîne alimentaire. Les animaux qui arrivent en fin de chaîne alimentaire, et notamment les hommes, se retrouvent donc avec un monceau de matière chimique en guise de repas. La matière première généralement utilisée dans la plasturgie est le pétrole, dont l'utilisation est désormais limitée. C'est pourquoi on a développé des matières similaires à base d'amidon de maïs, qu'on appelle les plastiques bio. Ils sont putrescibles et ne nécessitent pas l'utilisation d'agents plastifiants. On a fait un grand pas en avant dans le secteur de la plasturgie. On conçoit des matériaux qui ne sont pas à base de pétrole, mais à base de matières premières renouvelables. On les appelle les plastiques bio. Ils sont souvent biodégradables ou compostables. On en trouve déjà toute une gamme dans les magasins. Du côté des fruits et légumes, par exemple. Nous avons ici des tomates bio dans un emballage en plastique bio. Le film plastique ressemble à un film ordinaire, mais il est fait à partir de matières premières renouvelables, plus précisément de maïs. Les sacs biodégradables comme ceux-ci ont la même fonctionnalité que les sacs en plastique traditionnels. L'avantage, c'est qu'on peut les classer parmi les déchets organiques. Les plastiques bio sont comme les plastiques ordinaires. Le consommateur ne peut pas faire la différence. Ce symbole signifie que le produit est totalement biodégradable et compostable, et généralement obtenu à partir de matières premières renouvelables. L'intérêt, c'est aussi d'apprendre à se passer du pétrole. Nous ne devons plus dépendre des ressources fossiles, c'est capital. Il faut se tourner définitivement vers les matières premières renouvelables, par exemple, les produits agricoles. Et ces produits ont des avantages. Par exemple, voici des emballages qui laissent passer l'air. Les fruits et légumes respirent et restent frais plus longtemps. Tout cela est passionnant, ne serait-ce que sur un plan technique. Ces matières ont ainsi d'autres propriétés que les matières plastiques ordinaires. Même si elles n'étaient pas bio ni écologiques, on aurait tout intérêt à les utiliser. Voici un célèbre produit issu de la plasturgie, la Trabant. Cette voiture emblématique de l'ancienne RDA est née de la nécessité. Elle a été pendant près de 40 ans l'objet de convoitise numéro 1 de presque tous les citoyens est-allemands. Aujourd'hui, elle fascine les collectionneurs. C'est une matière plastique obtenue à partir du coton. Elle a été conçue ainsi par nécessité. La RDA n'avait pas de tôle, alors elle a inventé cette matière plastique. En principe, c'est cette partie de la carrosserie qui est faite en tôle. Ici, elle est en plastique. Tout le reste est en métal. Les Formule 1 aussi sont en plastique si on y réfléchit bien. C'est léger et pas cher. Ce que le plastique a de génial, c'est qu'il ne se cabosse pas. Il est souple et résistant. C'est une matière optimale pour la carrosserie d'une voiture. Mis à part pour les éclats en cas d'accident. Ça, c'est un problème.
La RDA n'avait pas de lamy noir pour produire des tôles après la guerre. Et les entreprises de l'Ouest n'étaient pas autorisées à nous en procurer, les Américains ayant décidé, avec l'embargo, qu'on n'avait pas le droit d'approvisionner l'Est en tôle pour carrosserie. On mélangeait le coton à de la résine de phénol en quantité égale. Une fois que cette machine, qui est une machine de tissage traditionnelle, avait tissé le fil, on saupoudrait le tissu de résine artificielle. Le mélange obtenu passait ensuite par ici, et le tapis roulant avançait et reculait de façon à ce que la matière synthétique s'empile sur une centaine de couches. On obtenait alors automatiquement un mélange coton-résine de phénol en quantité égale. Certains gardent les sacs en plastique, souvent pour les réutiliser. Mais il s'agit parfois de véritables œuvres d'art. Quelques musées les exposent déjà. Je suis particulièrement impressionné par ces plumes, qui sont de véritables prouesses graphiques. C'est fantastique d'arriver à donner une telle légèreté à un dessin sur un sac en plastique. Je viens de rencontrer le fabricant de ces sacs qui a dit « Un amateur ne peut pas s'imaginer combien il est difficile d'obtenir une plume aussi légère. Les gens n'apprécient pas ce travail à sa juste valeur. Ils jettent ce sac comme les autres alors qu'on se creuse les méninges pour réussir ce dessin. C'est tout l'intérêt de ce travail. » Il se cache derrière ces sacs des petits drames et des anecdotes. Pensez à tous les vestiges de l'histoire de l'entreprise et de l'économie. Beaucoup d'entreprises ont disparu, mais elles vivent encore grâce à ces sacs en plastique, qui sont en quelque sorte les archives des occasions manquées. Ce cadre a coûté dans les 130 euros. Quand il a fallu assurer l'exposition, on n'a pas assuré les sacs en plastique, on a assuré les cadres. Ce sont eux à qui l'on porte le plus d'attention. Ça me fait toujours sourire. Et ici, on a les sacs que les gens nous ont laissés. Chaque Allemand est un peu un collectionneur de sacs qui s'ignore. Chacun a ses sacs préférés dont il ne se sépare jamais. On ne jette pas si facilement les sacs. La plupart des plastiques de notre quotidien sont impérissables. Ou presque. Au fil du temps, ils dispersent leurs additifs dans l'environnement. On en trouve aujourd'hui sur la planète tout entière, y compris dans des régions éloignées de toute civilisation. Les agents plastifiants contenus dans les objets en plastique se désolidarisent, car ils ne sont pas réellement incorporés dans la matrice plastique. Ils peuvent s'en échapper. Chaque fois qu'on lave un plancher en PVC, l'eau usagée renvoyée dans les canalisations est infestée de substances qui ne se décomposent pas. Elles arrivent dans les stations d'épuration et en ressortent pour faire un tour dans l'estomac des poissons. Ensuite, au gré du vent et des courants, elles arrivent dans l'Arctique.
Le WWF et certains scientifiques ont fait des recherches. On a la preuve qu'il existe un lien direct entre les déchets plastiques et certains troubles observés chez les ours polaires. La concentration de polluants toxiques provenant de pesticides interdits ou de produits chimiques industriels, comme le DDT ou les PCB, tous ces polluants agissent comme de fausses hormones sur le système immunitaire et sur la reproduction des espèces animales marines, mais aussi d'autres mammifères, comme les ours polaires. L'examen médical d'un échantillon représentatif d'ours polaires a donné des résultats alarmants. Les agents plastifiants, les résidus de pesticides ou encore les agents ignifugeants qui se sont accumulés dans l'Arctique au fil des décennies ont des répercussions dramatiques sur les ours polaires, notamment sur leur métabolisme, leur système immunitaire, leur croissance, leur fertilité et le développement de leur caractère sexuel. Ces substances agissent sur le système hormonal. Lorsqu'elles sont libérées, les conséquences sont diverses. Il a par exemple été prouvé sur plusieurs espèces animales qu'elles peuvent entraîner la stérilité, la masculinisation et tout ce qui peut être provoqué par un dérèglement hormonal. On a notamment trouvé des ours polaires dotés de deux pénis et des ours polaires femelles stériles. Il faut absolument endiguer ce problème. L'utilisation de ces substances devrait être interdite en vertu du principe de précaution. Les hormones commandent non seulement le développement et le bon fonctionnement des organes de reproduction, mais aussi celui du cerveau et du système immunitaire. Les substances chimiques de synthèse peuvent modifier les fonctions de l'organisme en renforçant, en diminuant ou même en empêchant l'action de certaines hormones. Toutes ensemble, les fourmis de la planète pèsent 4 fois plus lourd que les humains et elles ne causent pas de tort à l'environnement. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants à produire des déchets. 3 principes de base. Premièrement, a priori, tout déchet de nature alimentaire doit retourner dans le cycle des substances nutritives. Il n'est donc pas un déchet. Deuxièmement, j'utilise bien sûr de l'énergie renouvelable. Et troisièmement, je veille à protéger les autres êtres vivants. Pas seulement en étant moins nocif, mais en encourageant la biodiversité. Il ne s'agit pas de renoncer ou encore d'économiser, mais plutôt d'utiliser intelligemment les ressources afin que les autres êtres vivants en profitent aussi. Appliquons ces 3 principes de base à cette chaise, par exemple. Tous ses composants ont été étudiés afin d'être techniquement recyclables. Cette chaise ne se casse et ne s'abîme pas à l'usage. Elle ne s'use pas. Cette matière plastique, un polypropylène, est faite de telle façon que chaque matériau qui la constitue peut à nouveau être fondu et recyclé, non plus durablement, mais avec une durée d'utilisation prédéfinie, afin que je sache quand je la récupérerai. Cet accoudoir, par exemple, les gens le veulent comme ceci. On ne prétend pas leur faire changer d'habitude et leur dire qu'ils doivent y renoncer, non. On a plutôt remplacé le PVC léger par un plastique recyclable à volonté et sans agent plastifiant susceptible de nuire à la fertilité, comme c'est le cas du PVC. On a choisi chaque composant avec soin, comme pour une bonne recette de cuisine. Il n'y a que comme ça qu'on peut assurer un recyclage en bonne et due forme. La plupart des designers privilégient la forme et l'esthétique. Les composants des matériaux qu'ils utilisent sont assez rarement analysés. Les designers de ce bureau d'études de Berlin se sont engagés à concevoir, pour le 2e plus grand producteur de mobilier de bureau des États-Unis, la première chaise de bureau intégralement recyclable. Les parties couleur graphite sont en nylon, parfois enrichies en fibres de verre. Et cette partie qui tire sur le verre, c'est du polypropylène. Ces matériaux appartiennent à des groupes chimiques différents à l'intérieur de la grande famille des plastiques. Et ils doivent pouvoir être facilement séparés les uns des autres afin d'être recyclés, chacun comme il se doit. Le dossier de cette chaise peut être recyclé jusqu'à 80 fois pour le même usage, car on connaît précisément sa composition
et la performance du matériau utilisé. Le fait que ce dossier soit souple ici et moins là, nous le devons à ce système de perforation qui nous permet d'utiliser un matériau très simple. L'idée, c'est d'obtenir l'effet voulu par l'absence de matériaux plutôt que par l'ajout de substances. La solution est dans la géométrie. Cela nous permet d'avoir recours à un matériau que l'on maîtrise bien et qui est facilement recyclable. McDonough Braungart et Hermann Miller nous ont beaucoup aidés à faire en sorte que les fabricants de polypropylène, comme DuPont et d'autres grandes entreprises, précisent les formules chimiques utilisées et la composition de leur polypropylène. C'est indispensable pour qu'on puisse ensuite recycler ces produits de façon appropriée. À une époque, l'écologie avait fini par lasser les gens. Ils préféraient ne plus rien faire plutôt que de risquer de faire quelque chose de mal. Mais pour les concepteurs comme nous, la théorie de McDonough Braungart, qui consiste à conduire les choses du berceau au berceau, a eu un effet très positif. Michael Braungart ne prétendait pas qu'il fallait éviter d'innover. Chaque génération doit pouvoir s'affirmer. Mais il faut juste le faire intelligemment. C'est comme les feuilles des arbres. Elles tombent en automne et forment l'humus qui permettra à d'autres feuilles de pousser au printemps suivant. Traditionnellement, l'industrie vise à être très efficace. Elle essaie de faire les choses de la manière la moins nuisible possible, en gagnant le plus d'argent possible, en vendant le plus possible. Nous essayons de voir où finit tel ou tel matériau, comment il est réutilisé, sous quelle forme il peut être réutilisé, en se répétant la phrase qu'on disait aux empereurs romains, « Regarde la fin ». Car quand on envisage la fin, on considère aussi le début différemment. Autrement dit, on peut tout réinventer. Lundi, nous irons faire ami-ami avec le rat de Gambie. Ce gros rat intelligent, doté d'un nez digne d'un chien de chasse, est dressé à détecter les mines.